épreuve de chimie, bac SP, session normale, Maroc 2021, exercice numéro 1. Les parties 1 et 2 sont indépendantes. Partie 1, étude cinétique d'une réaction chimique. L'une des plus anciennes réactions de synthèse est la fabrication du savon. Le savon est un produit composé de molécules obtenues par réaction chimique entre un composé organique et une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium. Cette partie de l'exercice se propose d'étudier par conductimétrie la cinétique de la réaction de synthèse d'un savon. Cette réaction se produit entre l'éthanoate d'éthyle de formule CH3COOC2H5 et une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium, Na plus aqueux plus H au moins aqueux. À un instant choisi comme origine d'état, t égale à 0 seconde, on introduit en excès l'éthanoate d'éthyle dans un ballon contenant une quantité de matière d'hydroxyde initiale égale à 10 puissance moins 3 mol. On obtient un mélange réactionnel ayant un volume V0 est égal à 100 ml. Il se produit, sous une température constante, une réaction modélisée par l'équation chimique suivante. Une mole d'éthanoate d'éthyle réagit avec une mole d'ion hydroxyde pour donner une mole d'ion éthanoate et une mole d'éthanol. Dressez le tableau d'avancement de cette réaction et déterminez la valeur de l'avancement final XF, sachant que cette réaction est totale. Dans l'état initial, l'éthanoate d'éthyle est en excès. La quantité d'hydroxyde est notée quantité initiale N0 d'hydroxyde. La quantité d'éthanoate est nulle et la quantité d'éthanol est nulle. Pour un état intermédiaire, la quantité d'éthanoate d'éthyle demeure en excès. La quantité d'ion hydroxyde est égale à la quantité initiale moins XF. La quantité d'ion hydroxyde est égale à la quantité initiale moins X. La quantité d'ion éthanoate est égale à X. Et la quantité d'éthanol est égale à X. Pour l'état final, on remplace l'avancement X par l'avancement final XF. Comme la transformation est totale et que les ions hydroxyde sont le réactif limitant, la quantité finale des ions hydroxyde est nulle. Cela signifie que la quantité initiale d'ion hydroxyde moins l'avancement final est égal à 0, on en déduit que l'avancement final XF est égal à la quantité initiale d'ion hydroxyde, c'est-à-dire 10 puissance moins 3 mol. On mesure, à chaque instant, la conductivité sigma du mélange réactionnel. La courbe de la figure 1 donne des variations de la conductivité du mélange réactionnel en fonction du temps. La droite T représente la tangente à la courbe au point d'abscisse T1 égale à 4 minutes. L'expression de la conductivité sigma du mélange réactionnel en fonction de l'avancement x de la réaction est sigma égale à 0,25 moins 160 fois x, où sigma est exprimé en siemens par mètre et x en mol. Définir le temps de demi-réaction T1/2. Le temps de demi-réaction est le temps au bout duquel la moitié du réactif limitant est consommée. On peut encore dire que le temps de demi-réaction correspond au temps au bout duquel l'avancement X a atteint la moitié de sa valeur maximale. X à l'instant T1/2 est égal à X max sur 2, ici comme la transformation est totale, X à l'instant T1/2 est égal à l'avancement final divisé par 2. À l'aide de l'expression sigma égale F de X et de la courbe de la figure 1, déterminer la valeur de T1/2. Nous savons que l'avancement au bout du temps de demi-réaction est égal à l'avancement final divisé par 2. La conductivité de la solution à l'instant T1/2 est donnée par l'expression 0,25 moins 160 fois l'avancement à T1/2. Remplaçons l'avancement à T1/2 par l'avancement final divisé par 2. Remplaçons XF par 10 puissance moins 3. Nous obtenons une conductivité de la solution égale à 0,25 moins 160 fois 10 puissance moins 3 divisé par 2, c'est-à-dire 0,25 moins 0,08 ou encore 0,17 siemens par mètre. Au bout d'une durée égale au temps de demi-réaction,
la conductivité de la solution vaut 0,17 siemens par mètre. Déterminons l'instant T1/2 à l'aide de la courbe représentant sigma en fonction de T. Repérons le point d'ordonnée 0,17 siemens par mètre sur la courbe sigma en fonction de T et lisons son abscisse. Nous obtenons que le temps de demi-réaction est égal à 4 minutes. Par lecture graphique, nous obtenons un temps de demi-réaction égal à 4 minutes. Montrer que la vitesse volumique de la réaction à un instant T s'écrit sous la forme moins 1 sur 160 divisé par V0 multiplié par la dérivée de la conductivité par rapport au temps. La vitesse volumique de réaction est égale à l'inverse du volume de solution multiplié par la dérivée de l'avancement par rapport au temps. D'après l'expression de sigma, sigma est égal à 0,25 moins 160 fois x. Donc x est égal à 0,25 moins sigma sur 160. 1 sur 160 étant une constante multiplicative, nous pouvons la sortir du signe dérivé. La dérivée d'une différence est égale à la différence des dérivées. La dérivée de 0,25 moins sigma, c'est la dérivée de 0,25 moins la dérivée de sigma. 0,25 étant une constante, sa dérivée est nulle. On obtient donc que la vitesse volumique de réaction est égale à moins 1 sur 160 divisé par V0 multiplié par la dérivée de sigma par rapport au temps. Déterminer en mol par mètre cube par minute la valeur V1 de cette vitesse à l'instant T1 égale à 4 minutes. Reprenons l'expression de la vitesse volumique de réaction et calculons sa valeur lorsque T est égal à T1. Nous pouvons approximer la dérivée de sigma par rapport au temps à l'instant T est égal à T1 à la pente de la tangente à la courbe sigma en fonction de T, pente de la tangente qu'on peut écrire delta sigma sur delta T. Pour cela, utilisons la tangente à la courbe sigma en fonction du temps tracée à l'instant T égale à T1 égale à 4 minutes et mesurons le taux d'accroissement delta sigma sur delta T. Mesurons le taux d'accroissement delta sigma sur delta T. Si nous prenons deux points de la tangente tels que la variation de temps delta T soit égale à plus 17 minutes, eh bien la variation de la conductivité entre ces deux points est égale à moins 0,22 millisecondes par mètre. Donc la vitesse volumique de réaction à l'instant T1 égale à 4 minutes est égale à moins 1 sur 160 sur 100 millilitres qu'on convertit en mètres cubes. 100 millilitres, c'est 100 fois 10 puissance moins 3 litres. Pour passer des litres au mètre cube, on remultiplie par 10 puissance moins 3. Donc 100 millilitres, c'est 100 fois 10 puissance moins 6 mètres cubes. Delta sigma sur delta T vaut moins 0,22 sur 17. En faisant l'application numérique, nous obtenons une vitesse volumique de réaction égale à 0,81 mol par mètre cube par minute. Partie 2. Étude d'une solution aqueuse d'un acide carboxylique. Un flacon, dont l'étiquette est illisible, contient une solution aqueuse SA d'un acide carboxylique de formule et de concentration inconnue. Cette partie de l'exercice se propose de déterminer la concentration de cette solution aqueuse et d'identifier cet acide. On utilisera AH pour désigner l'acide carboxylique et A- pour désigner sa base conjuguée. Toutes les mesures sont réalisées à 25 degrés Celsius. On dose un volume VA de 20 ml de solution aqueuse SA de concentration CA par une solution aqueuse SB d'hydroxyde de sodium de concentration CB égale à 10 puissance moins 1 mol par litre. La courbe de la figure 2 représente les variations du pH du mélange réactionnel en fonction du volume VB de la solution basique versée. Écrire l'équation de la réaction du dosage. L'acide AH va céder un proton pour donner la base conjuguée A-. Les ions hydroxyde, eux, vont capter un ion H+ pour donner une molécule d'eau.
Additionnons les deux demi-équations membre à membre. Une mole d'acide réagit avec une mole d'ion hydroxyde pour donner une mole d'eau et une mole de base. Déterminez graphiquement les coordonnées PHE et VBE du point d'équivalence grand E. Pour cela, utilisons la méthode des tangentes. Traçons une tangente sur la concavité du haut et une autre tangente parallèle sur la concavité du bas. Traçons un segment perpendiculaire aux deux tangentes et faisons passer par le milieu de ce segment une troisième droite parallèle aux deux premières tangentes. Le point d'intersection de la droite équidistante des deux tangentes avec la courbe pH en fonction du volume correspond au point d'équivalence, grand E. Le pH à l'équivalence correspond à l'ordonnée du point E. Il vaut 8,8. Et le volume de base versé à l'équivalence correspond à l'abscisse du point E. Il vaut 20 millilitres. Déterminez la valeur de la concentration C indice A. À l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. D'après l'équation, AH plus H au moins donne H2O plus A moins. Une mole d'acide réagit avec une mole d'ion hydroxyde, donc à l'équivalence. La quantité initiale d'acide est égale à la quantité d'ion hydroxyde versée à l'équivalence. La quantité initiale d'acide carboxylique est égale à la concentration CA multipliée par le volume d'acide carboxylique VA. La quantité d'ion hydroxyde versée à l'équivalence est égale à la concentration CB multipliée par le volume de base versé à l'équivalence VBE. Nous en déduisons que CA est égal à CB fois VBE sur VA. Pour faire le calcul, nous devons exprimer les deux volumes dans la même unité. On va les laisser en millilitres. La concentration CA est égale à 10 puissance moins 1 multiplié par 20 divisé par 20, ce qui correspond à une concentration en acide carboxylique de 10 puissance moins 1 mol par litre. Identification de l'acide carboxylique. La solution SA est préparée par dissolution de l'acide AH dans l'eau. La mesure du pH de la solution SA donne pH égal à 2,88. Écrire l'équation de la réaction de l'acide AH avec l'eau. Ici, l'acide carboxylique joue le rôle d'acide, il va se transformer en ion A-, et l'eau va jouer le rôle de base et se transformer en ion au sodium H3O+. AH donne A- plus H+, H2O plus H+, donne H3O+. Nous additionnons membre à membre les deux demi-équations. Une mole d'acide réagit avec une mole d'eau pour donner une mole d'ion au sodium et une mole de base. Montrez que le taux d'avancement final de la réaction est taux égal à 1,32%. Nous allons dresser le tableau d'avancement pour la réaction de la mise en solution de l'acide dans l'eau. La quantité initiale d'acide est égale à CA fois le volume de solution. L'eau est en excès. La quantité initiale d'ion H3O+ est nulle. La quantité initiale d'ion A- est nulle. Pour l'état final réel, c'est-à-dire à l'équilibre, la quantité d'acide carboxylique est égale à CA fois le volume de solution moins XF. La quantité d'ion oxonium est égale à XF. Et la quantité de A- est égale à XF. Si la réaction était totale, l'avancement aurait atteint sa valeur maximale Xmax. La quantité finale d'acide carboxylique serait CA fois V solution moins Xmax. La quantité finale d'ion oxonium serait égale à Xmax. La quantité finale d'ion A- serait égale à Xmax. Déterminons l'avancement final à l'équilibre et l'avancement maximal. Si la transformation était totale, comme l'acide carboxylique est le réactif limitant, sa quantité finale CA fois V solution moins Xmax serait nulle. Nous en déduisons que l'avancement maximal est égal à CA fois le volume de solution. Déterminons maintenant l'avancement final réel de la solution, XF.
D'après le tableau d'avancement, XF est égal à la quantité finale réelle des ions oxonium. La quantité finale réelle des ions oxonium est égale à la concentration des ions oxonium à l'équilibre multipliée par le volume de solution. La concentration des ions oxonium à l'équilibre est égale à C0 fois 10 puissance moins pH. Donc l'avancement final réel de la solution est égal à C0 fois 10 puissance moins pH fois le volume de la solution. Le taux d'avancement final de la réaction est égal au rapport de l'avancement final réel sur l'avancement maximal, XF sur Xmax. Or XF est égal à C0 fois 10 puissance moins pH fois le volume de solution. Et Xmax est égal à la concentration CA fois le volume de solution. Simplifions par le volume de solution, nous obtenons que le taux d'avancement final de la réaction est égal à C0 fois 10 puissance moins pH sur CA. Le pH de la solution vaut 2,88. La concentration CA vaut 10 puissance moins 1. Nous obtenons un taux d'avancement final égal à 10 puissance moins 1,88, c'est-à-dire 0,0132 ou encore 1,32 divisé par 100 ou encore 1,32%. Déterminer l'expression du quotient de la réaction QR à l'équilibre en fonction de CA et de taux. Vérifier que la valeur du quotient de réaction à l'équilibre est égale à 1,77 fois 10 puissance moins 5. Le quotient de réaction à l'équilibre est égal à la concentration des ions oxonium divisé par C0 multiplié par la concentration des ions A- divisé par C0, le tout divisé par la concentration de l'acide carboxylique AH divisé par C0. On peut simplifier une fois par C0 et écrire le quotient de réaction à l'équilibre comme indiqué à l'écran. L'expression de la concentration des ions oxonium à l'équilibre a été déterminée auparavant. Elle est égale à la quantité des ions oxonium à l'équilibre divisée par le volume de solution. La quantité des ions oxonium à l'équilibre, c'est l'avancement final réel. Donc la concentration des ions oxonium à l'équilibre est égale à l'avancement final réel divisé par le volume de solution. Faisons de même pour la concentration des ions A-. La concentration des ions A- est égale à la quantité finale des ions A- à l'équilibre divisé par le volume de solution, XF sur le volume de solution. La concentration des ions A- à l'équilibre n'est rien d'autre que la concentration des ions oxonium à l'équilibre. Déterminons la concentration de l'acide carboxylique à l'équilibre. La concentration de l'acide carboxylique à l'équilibre est égale à la quantité finale réelle de l'acide carboxylique divisé par le volume de solution. Donc c'est égal à CA fois le volume de solution moins XF, le tout divisé par le volume de solution. Nous obtenons CA moins XF sur le volume de solution. Or, XF sur le volume de solution, c'est la concentration des ions oxonium à l'équilibre, donc la concentration de l'acide à l'équilibre est égale à CA moins la concentration des ions oxonium à l'équilibre. Remplaçons dans l'expression du quotient de réaction à l'équilibre les concentrations des espèces chimiques par leur expression. On peut remplacer la concentration des ions A- à l'équilibre par la concentration des ions oxonium à l'équilibre et la concentration de l'acide carboxylique à l'équilibre par CA moins la concentration des ions oxonium à l'équilibre. Au numérateur, nous avons la concentration des ions oxonium élevé au carré. Nous remplaçons la concentration des ions oxonium à l'équilibre par C0 multiplié par 10 puissance moins pH. C0 vaut 1 mol par litre. Le pH vaut 2,88. CA, 10 puissance moins 1. Le quotient de réaction à l'équilibre vaut 1,77 fois 10 puissance moins 5. La méthode que je viens de faire n'est pas tout à fait celle qui était attendue par l'exercice, puisqu'il fallait exprimer le quotient de réaction à l'équilibre en fonction de CA et du taux d'avancement final de la réaction. Le taux d'avancement final de la réaction est C0 fois 10 puissance moins pH sur CA. Reprenons. Pour faire apparaître C0 fois 10 puissance moins pH sur CA, nous allons diviser le numérateur et le dénominateur par CA au carré. Développons le dénominateur.
Nous reconnaissons C0 fois 10 puissance moins pH sur CA qui est égal à taux. Donc le quotient de réaction à l'équilibre s'écrit taux au carré divisé par C0 sur CA moins C0 sur CA multiplié par taux. Nous allons multiplier le numérateur et le dénominateur par CA, puis nous factorisons le dénominateur par C0. Le quotient de réaction à l'équilibre s'écrit CA multiplié par taux au carré, divisé par C0, divisé par 1 moins taux. Taux vaut 0,0132, C0 vaut 1 mol par litre, CA vaut 10 puissance moins 1, le quotient de réaction à l'équilibre vaut 1,77 fois 10 puissance moins 5. Identifiez l'acide carboxylique AH étudié en vous aidant du tableau des valeurs de pKa des couples acides bas ci-dessous. Justifiez votre réponse. Le quotient de réaction à l'équilibre de cette équation de mise en solution de l'acide dans l'eau correspond à la constante d'acidité du couple acide carboxylique ion carboxylate. Le pKa est égal à moins logarithme du K. Moins logarithme de 1,77 fois 10 puissance moins 5 vaut 4,75. Le couple acide-base dont le pKa est de 4,75 est le couple acide-éthanoïque, ion-éthanoate. L'acide dont le pKa vaut 4,75 est l'acide éthanoïque CH3COOH. Déterminer le volume VB1 de la solution SB versée au cours du dosage pour que le rapport concentration de l'acide sur concentration de la base soit égal à 2,24. Nous allons partir de la relation qui lie le pH et le pKa. Le pH d'une solution contenant un couple acido-basique est égal au pKa du couple plus le logarithme du rapport de la concentration de la forme basique sur la concentration de la forme acide du couple. Logarithme de la concentration en base A- sur la concentration en acide carboxylique peut s'écrire également moins logarithme de la concentration en acide carboxylique sur concentration en base A-. Remplaçons le rapport concentration de l'acide sur concentration de la base par 2,24, le pKa par 4,75. Nous obtenons un pH égal à 4,40. Ce pH est atteint lorsque on a versé un volume VB1 égal à 6 ml.